So Dario, as far as the timing is concerned, we have 1 hour. Will it be okay with the session finishing at 1:30? Hello everybody. I do apologize for not speaking to you in English because I didn't have time to translate my lecture. So I shall to speak very slowly in French. So I think you can understand. Voilà. Donc, je veux remercier tout d'abord Michel et Dario de m'avoir invité et de m'avoir lancé le thème Zooarchaeology and the Analysis of Amphoric Contents. Alors, je vais réduire ma lecture à une question plus précise. En quoi l'archéozoologie renseigne-t-elle sur le commerce maritime des Salaisons ? Alors, je ne parlerai pas des mammifères, je vais aussi réduire uniquement aux poissons. Donc, les vestiges de restes de poissons contenus dans les amphores sont généralement publiés de manière très dispersée au fil des découvertes et sont généralement portés à la connaissance publique par des monographies de fouilles qui ont permis de les mettre au jour. Ce sont souvent des articles spécialisés qui sont très dispersés. Je pense notamment aux études d'Angela von Dentrich, qui date de 1980, de Johannes Lepixard de 86, ou de Jacqueline Stöder de 1994. Bon. J'ai choisi pour cette présentation de me concentrer uniquement sur les poissons retrouvés en amphore dans des épaves. J'ai exclu volontairement tous les contextes en agglomération ou urbain, pour les questions qu'il pose en matière de réutilisation. Voilà. Donc, j'ai pensé qu'en me concentrant uniquement sur ce qu'on retrouvait dans les amphores, on était vraiment dans des contextes de commerce. Et le fil directeur de l'exposé, c'est peut-on voir s'il y a des espèces qui sont réservées à la commercialisation ou pas ? Si oui, lesquels ? Voilà. Donc, je suis partie pour ce travail de l'inventaire de Parker, hein, qui date de 1992. Voilà. Donc, je vous demanderai beaucoup d'indulgence parce que je n'ai pas. C'est un travail que j'avais commencé que j'ai fait en 1997, à vrai dire, que j'avais dans un carton et que j'ai ressorti pour le colloque à la demande de Michel pour faire cette intervention. Donc, il est possible qu'il manque énormément d'informations. Donc, ce serait à vous de compléter et de me dire s'il manque des informations. La deuxième indulgence que je vous demande, c'est au niveau de la typologie des amphores. Je ne suis pas spécialiste des amphores, donc je vais vous présenter certaines choses. C'est possible qu'aujourd'hui, ce ne soient plus les bonnes amphores. Je ne sais pas. Depuis 1992, les choses ont dû évoluer. Voilà. Donc, à partir de l'inventaire de Parker, il suffisait de rechercher, en fait, toutes les mentions de restes de poissons qu'il mentionnait. À partir donc de cette amphore, qui couvre une très très large période, elle va de l'âge du bronze au 5e siècle après, on dénombre en fait seulement 18 cas de mentions d'amphores dont le contenu serait à base de restes de poissons. Il y a quelques études plus récentes que je vous présenterai également. Donc vous avez ici le tableau des épaves et des amphores. Des épaves, pardon, pour lesquelles Parker mentionne l'existence de restes de poissons. Donc, je vais présenter chronologiquement ces données. Donc, dans Parker, on trouve deux mentions pour l'âge du bronze de restes de poissons. Donc, je vous ai mis les deux épaves qui concernent ce problème.
Dans la première épave, qui est celle de Luburun, on trouve voilà, juste la mention « fish bones ». Voilà. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des poissons qui sont dans une amphore ? Ce n'est pas plus précis que ça. Bon. Deuxième épave pour laquelle on a aussi une mention, c'est Cap Gelinodonia A, pour laquelle sont mentionnés « olive pits and fish bones represented meals ». Alors là, on ne sait pas si, si c'est l'alimentation des marins ou si c'est des poissons ou si ce sont des poissons qui ont été transportés. Donc, c'est la question qui est posée en dernière ligne. Fish bones, est-ce que c'est de la consommation de bord ou est-ce que c'est du transport? Ces deux exemples sont absolument flous. Ensuite, dans l'inventaire, on trouve une mention pour le 6e siècle. Il s'agit de l'épave étrusque de Cap d'Antibes qui mentionne des amphores originaires d'Étrurie. Certaines contenaient des restes de poissons. Là encore, nébuleuses, on ne sait pas, on n'en sait pas plus. Pour la fin du 4e siècle et le début du 3e siècle avant, alors vous voyez, on a un exemple pour le 6e siècle, c'est très peu, fin 4e, début 3e avant, on peut noter un article de Cavaliere dans les Mefra de 2000 qui mentionne une amphore punique utilisée comme contenant des poissons. Alors, excusez-moi, ça c'est un contexte urbain, alors je l'ai mis là parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, vite fait, donc, pour ce qui est de l'âge du bronze, du 6e, 5e avant, on a uniquement des incertitudes, des imprécisions sur des données antérieures à la période romaine. Donc, ces mentions sont peu précises au niveau de la description des amphores mêmes. Elles sont encore plus évasives quant au contenu. S'agit-il de restes de poissons, effectivement, contenus dans ces amphores, ou s'agit-il de restes qui étaient épars, retrouvés à proximité des fragments d'amphores, auquel cas il n'y a aucune certitude entre le conteneur et le contenu. Et enfin, la question, à quelles espèces appartenaient ces fish bones? À ma connaissance, ils n'ont pas été étudiés, et s'ils l'ont été, ce n'est pas publié. Enfin, à ma connaissance. Toujours en suivant le fil de Parker, donc pour le second siècle, premier avant, on a trois exemples, trois épaves pour lesquelles sont mentionnés des poissons. On a l'épave de Cap Saint-Andreas, B, qui est datée entre 125 et 10 avant. Alors, cette épave, d'après ce que dit Parker, elle a livré des amphores Dressel 1 et des amphores ovoïdes. Et dans une de ces amphores est mentionné un liquide jaune, tandis que d'autres contenaient de grandes quantités de restes de poissons. Voilà. Pour l'épave du Titan, qui est datée de 50-45 avant, où on a trouvé plus de 700 amphores, des dresselles 12 étaient fermées et contenaient des restes de thon, écailles et os de la tête, queue. Voilà ce qu'on sait. Fernand Benoît a également parlé de ce contenu des amphores dresselles 12, et lui disait « c'est de la saumure de poisson qui paraît avoir été répartie selon la nature de la conserve ». Tête et queue, quartier de chair avec vertèbres, de tonidés et de pélamides. Voilà. Pour l'épave KBR3, qui est datée entre 50 et moins 20, et 25 avant Jésus-Christ, ce sont encore des dresselles 12 qui contenaient des autres poissons non identifiés. En revanche, pour ces dresselles, une étude plus récente menée par Nathalie Desverset, bon, qui date tout de même de 2000, a identifié des squelettes entiers de Scomber japonicus. Alors, par contre, on ne sait pas si elle a étudié toutes les amphores, une seule amphore. Elle a estimé que la taille des poissons conservés est de 28 à 30 cm. Et il s'agirait, selon Nathalie Dess, de poissons conservés dans une saumure. Voilà. Donc, pour cette période, second premier avant, on a quelques petites infos, quelques petites informations. On a quelques espèces qui sont mentionnées, qui seraient traitées et exportées, donc des tonidés, des pélamides et des maquereaux. Pour les types d'amphores, alors là, je ne suis pas sûre de moi, des dresselles 12, ça me paraît clair, des dresselles 1 ou ovoïdes, ça je ne sais pas trop, je ne suis pas du tout sûre de moi.
C'est mentionné comme tel dans Parker. C'est Parker qui dit qu'il y a des Dressel 1 et ovoïdes, et dans une de ces amphores, on trouve des restes de poissons. Elle a peut-être pris un raccourci, c'était peut-être pas une Dressel 1, je ne sais pas. Alors, pour le premier siècle, passons maintenant au premier siècle. Pour le premier siècle, Parker nous mentionne dans l'épave de Chrétienne, nous mentionne deux cas. L'épave de la Chrétienne H, qui est datée de 15-20 après, et dans une des amphores Dressel 7 de Bétique, elle contenait des restes de poissons. On n'en sait pas plus. L'épave de Port Vendres 2, datée 42-48 après, 10 amphores Beltrane 2A avec inscription peinte, alors je ne sais pas si celles toutes ou certaines contenaient des restes de scombercolias et de sauce de poisson, je n'en sais pas plus. Alors, pour cette même épave, alors là encore une énigme, j'ai pas très bien compris, bon, peut-être mal, pas assez travaillé. Dans la publication de Coles, de 1977, lui mentionne des amphores Pompéi 7 de grands et de petits modèles, poissés à l'intérieur jusqu'au bord, avec des restes de scombercolias qui étaient pris dans la poix. Donc, voilà. Deuxième mention, je ne comprends pas très bien le lien entre les premières. Alors, à moins que les Pompéi 7, les Beltrane 2, pour moi, c'est assez flou. Je ne comprends pas si c'est les mêmes amphores, si c'est des amphores différentes, je ne sais pas. Ça sera à vous de me le dire. Donc, dans la seconde moitié du 1er siècle, on a une épave, celle de Chiesi, en Italie, qui est datée de 60-85 après, qui transportait des Beltrane 2, et certaines contenaient des vertèbres et autres restes de poissons, dont Scomber Scombrus. Y avait-il d'autres espèces? On ne sait pas. Pour cette même épave, on a aussi un article de Barbara Wilkens en 2000 dans les Mefra qui mentionne une amphore Vindonissa 583 qui est datée du premier avec des restes de Tunus tunis, le thon, Seriola du Merilli, la seriole, et du macro, scomber, dont l'espèce n'est pas mentionnée. Elle mentionne également que sur ces restes, sur les restes de la tête, on voyait des traces de découpe. Mais alors, on ne sait pas les restes de la tête, de quel poisson. Bon, il y a un problème quand même de publication des résultats. Donc, Barbara Wilkens propose que ce soit du garum ou de la muria. Pour ma part, je ne comprends pas les arguments. Je trouve ça discutable. Pour le 1er siècle, en général, donc moins bien daté que ces épaves-là, que les premières que je vous ai présentées, donc plus datées plus globalement, on a l'épave de Percheles en Espagne, pour laquelle on a des Dressel 7-11, dont certaines contenaient des restes de poissons et des écailles. On n'en sait pas plus. Bon, pour le 1er siècle également, on a alors une épave, l'épave Chrétienne I. Alors, cette épave est mentionné donc dans Parker, et actuellement un étudiant, Jean-Christophe Sourisseau, reprend l'étude de cette épave et m'a transmis quelques restes de poissons qui auraient été trouvés dans cette épave, dont vous avez les photos ici. Donc, datation de cette épave, elle n'est pas claire encore, ils sont en train de travailler dessus, les dernières informations qu'on m'a données, moins 50 plus 75, avec des interrogations. Cette épave transportait des amphores pascuales. Transportait des amphores. On m'a dit que c'était des pascuales. Dans cette amphore, il y avait également de la résine. Alors, une amphore, mais on ne sait pas laquelle, contenait ces restes. Alors, des restes de scomber. Alors, l'intérêt pour nous, archéologues, en dehors du fait qu'on ne sait pas dans quel conteneur c'était transporté, c'est que ces restes de maquereaux porte. Alors, il y a plusieurs individus, puisque j'ai au moins 3 carames. Je n'ai pas eu tous les restes, hein, donc j'ai un petit échantillon. Il y a au moins 3 poissons, dont un qui a un crâne coupé. C'est sur la photo de droite, le trait rouge en pointillé que vous voyez. Sur la gauche extrême, vous avez un bout de crâne, ici. Voilà, et vous avez en bas le schéma
le schéma qui montre donc l'endroit où le crâne a été coupé. Donc, il y a dans cette amphore à la fois des poissons entiers et au moins un poisson qui a subi donc cette ablation du crâne, d'une partie de son crâne. Voilà. Alors, cette découpe est intéressante pourquoi ? Parce qu'elle a été retrouvée dans une autre épave, qui est l'épave Soutpertudo II, et dont les restes ont été étudiés par Nathalie Desbercet. Alors, cette épave n'est pas mentionnée dans Parker. Hein. Donc, bon, ça fait un exemple de plus, ça fait 19. Dans cette épave de Soutpertudo, Nathalie Desbercet a étudié les restes, et elle a retrouvé, donc, pareil, dans des amphores Dressel, alors je ne sais plus dans quel amphore, transporté, rempli de scomber japonicus, donc des macros également, dont la taille est estimée à 40-48 cm et qui ont un poids moyen de 600 grammes à 1000 grammes. Bon, je vous renvoie à l'article de Nathalie Dresbercet qui est très bien fait. Et donc, elle voit deux modes de préparation au niveau de ces macros, donc des entiers et des découpés, tout comme on l'a vu précédemment sur la chrétienne I. Voilà. Alors, oui, je vais revenir sur ces découpes. Alors, Nathalie Desbercet, bon, et c'est connu de toute façon. Pourquoi couper le crâne du macro ? En fait, c'est ce qu'on appelle saigner un macro. Le saigner, ça a un avantage, c'est que ça lui permet de se conserver plus longtemps. Si on veut conserver la viande, enfin la chair, ça permet de pouvoir conserver le poisson plus longtemps. Donc c'est un avantage si on veut le saler ou même si on veut le consommer frais, ça va lui permettre d'être conservé quelques heures de plus ou voire un ou deux jours de plus, mais pas beaucoup plus. Mais par contre, pour le saler, ça va permettre des meilleures conditions de conservation. Voilà. Donc le sang retiré, alors la question c'est qu'on retire le sang du macro et qu'est-ce qu'on fait de ce sang ? Ce sang, certains disent, il a servi pour faire du garum. Pourquoi pas, c'est tout à fait une bonne hypothèse. Alors, je tiens à dire aussi que ces découpes de tête, on va les retrouver aussi sur un poster qui vous est présenté par Gaël Piquet, là, dans les pots du Rhône d'Arles. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis là, excusez-moi. Oui, d'accord, je parle après. Pour cette même période, on a aussi un tonneau à Fos-sur-Mer où on a trouvé des restes de sardine à pilcardus, donc la sardine, des petits poissons mélangés à quelques pajots. Voilà, bon, donc c'était. On va revenir là-dessus. Ah ben, je l'ai mis deux fois, excusez-moi. Voilà, donc pour le premier siècle, récapitulons, conclusion, on a du commerce de scombaires, plusieurs espèces, qui sont saignées ou qui ne sont pas saignées. Et là, on a un rapprochement intéressant à faire avec un texte de Pline, 31-93-95, qui nous dit, alors, c'est le moment où il dit, il existe encore une autre espèce de liquide recherché, appelée garum. On fait macérer dans du sel, etc., etc., bon, tout le monde connaît. On le fabriquait autrefois avec le poisson appelé garos par les Grecs, Et il mentionne que ces poissons, on pouvait couper la tête de ces poissons, et avec la fumigation faite avec les têtes brûlées, on faisait sortir l'arrière-fait, donc ça servait pour les femmes après l'accouchement. Voilà. Alors, on dit que le plus raffiné des garums se fait aujourd'hui à partir du scombre. Donc là, on a une cohérence entre les textes et puis les quelques exemples qu'on a qui sont datés du 1er siècle. Voilà. Donc, à part le macro, on a donc le thon et la céréole. Alors, on aurait aussi des conservations en tonneaux, mais on ne sait pas si elles sont locales ou destinées au commerce, avec quelques sardines et quelques pajots. Donc, on a aussi des récurrences. Alors, l'intérêt, c'est ces deux récurrences. Alors, deux, ce n'est pas beaucoup, évidemment, mais on a des récurrences d'espèces et de traitements, cette découpe du crâne. Alors, s'agit-il de pratiques bien établies ou est-ce que ça répond à une demande ciblée d'un certain produit voilà. Donc, entre le 1er et le 2e siècle, on a aussi ces pots à garum du Latium.
qui ont été retrouvées, enfin voilà, dont vous avez un récapitulatif des connaissances sur ces Poagarum. J'en viens à leur contenu. Donc je ne vais pas insister sur ces Poagarum, je les connais moins bien que Gaël ou Emmanuel Bott ou n'importe qui d'autre, mais simplement, bon, c'était pour vous montrer le contexte. Dans ces Poagarum de l'Épavarlerone III, entre 50 et 140 après, l'un d'eux contenait, alors ça c'est la publication de Gaël, hein, moi j'ai repris uniquement ses résultats, alors lui, il a trouvé une trentaine de jeunes aloses, hein, 5 petits macros entiers de taille inférieure à 20 cm, un macro de 20 à 24 cm dont la partie antérieure de la tête a été tranchée. Donc on retrouve encore cette fameuse découpe et 3 parties antérieures de la tête de macro dont il manque le reste du corps. Voilà. Et il y a également une sole. Donc un mélange d'espèces dans ces Poagarum, contrairement aux amphores que je vous ai montrés précédemment où on n'avait que les macros, là ils sont mélangés avec d'autres espèces. Voilà. Chacune de ces espèces a fait l'objet de traitement différent. Voilà. Donc, dans Apport-La Nautique, apparemment, il y a un autre pot du Latium qui serait daté, qui est un peu plus ancien, rempli d'alevins de sardines. Voilà. Donc, apparemment, ces Poagarum ne transportaient pas tous la même chose, donc il n'y a pas vraiment d'adéquation conteneur-contenu. Voilà. C'est un constat qui est fait sur ces deux exemples. Mais le poster que Gaël présente et confirme le fait qu'aucun de ces pots ne contient exactement la même chose. Voilà. Donc là, les questions sont qui commande le contenu de ces récipients ? Est-ce que ce sont un client, un produit spécial ? Est-ce que c'est la disponibilité de la ressource au moment de la production ? Est-ce que ce sont des produits qui sont dérivés d'une pêche aléatoire ou ciblée, c'est-à-dire qu'on pêche, on les met dans des pots parce qu'elles sont là, ou est-ce qu'on va effectivement chercher certaines espèces? S'agit-il de surplus? Comment ces surplus sont gérés? Et comment choisissait-on l'emballage du produit? Était-il totalement ou partiellement défini en fonction du produit? Bon. Alors, pour le 1er, 2e siècle, on a une épave dans laquelle on a une mention de restes de poisson, une Beltrane 4B qui contenait des restes de poisson non identifiés. Voilà, je continue mon inventaire. Donc, peu d'informations pour le 2e siècle. En revanche, Nathalie Desberset a publié des résultats sur l'épave de Saint-Gervais, où elle trouve, elle, dans une amphore Beltrane 2B, du chinchard. Voilà. Donc, pour Nathalie Desberset, bon, ce serait de la salsamenta. Pour ce même 2e siècle, nous avons l'épave de Grado, dont on a déjà parlé ici, dont on a retrouvé dans certaines amphores tripolitaines des restes de Scomber japonicus, le macro, et une amphore africanaa et d'autres amphores qui contenaient des restes de Sardina pulcardus, la sardine. Bon. Alors, pour le 2e siècle, qu'est-ce qu'on peut dire? L'exemple recensé de Saint-Gervais présente une conserve de chinchard. C'est un poisson qui a de moindre qualité que le maquereau, mais dont les caractéristiques sont proches. L'épave de Grado présente deux types de contenus, l'un à base de maquereau, l'autre à base de sardines, dans des types d'amphores qui sont considérés par les auteurs comme détournés de leur fonction d'origine et donc réemployés. Alors ça, on le sait, André Tchernia l'a dit, dans l'épave de Grado, ce sont des amphores à huile proconsulaire, mais c'est possible que je me trompe, il faudra me reprendre si je dis des bêtises. Le contenu initial de ces amphores, en fait, serait de l'huile, si j'ai bien compris, qui aurait été débarquée quelque part, mais on ne sait pas où, et qui a été remplacée ensuite par des poissons salés. Donc, on ne sait pas d'où provient ce poisson salé, du lieu inconnu où a été débarquée l'huile, ou d'un autre endroit. Si on avance dans le temps, 3e, 4e siècle après, 4 cas dans Parker, 2 mentions relatives à des amphores africaines 2 qui contenaient des restes de poissons, toujours pareil, pas identifiés. Voilà. Une autre épave, l'épave Lazzaretto, où mentionnait un grand nombre d'amphores africaines 2D, Almagro 50-51, dans laquelle on avait des restes de poissons. Je suis désolée, ils ne sont pas identifiés. Dans l'épave des Laurence, des restes de poissons. Aucune espèce n'est identifiée précisément pour ces périodes. Voilà. 4e, 5e,
l'épave de Sud l'avait dit, avec une amalgro 50 qui contenait des restes de maquereaux identifiés. L'épave de Port Vendresse A, qui, Almagro 50 et 51C, qui contenait des sardines à Pilgardus et surtout Bélonée, qui est leur fille, bon, un poisson. Voilà. Donc, en conclusion de cet inventaire qui est vraiment très, très préliminaire et peu conséquent, le premier siècle avant Jésus-Christ et le premier siècle après Jésus-Christ sont dans l'état de notre inventaire les périodes les mieux documentées. On constate un commerce de maquereaux saignés pour les salsamanta au premier siècle, ou non saignés d'ailleurs, et à côté de tonidés, pélamides et céréoles. La conserve de sardines est observée sans que l'on ait de traces de commerce, pas d'épave ayant livré des amphores contenant de la sardine, mais de la conservation à tonneaux à fosse. Alors, celle-ci, la sardine, donc, est commercialisée au second siècle dans l'épave du Grado, tout comme le chinchard à côté du maquereau. Et pour le troisième, quatrième siècle, on n'a pas encore d'informations suffisamment précises sur les espèces commercialisées. Voilà. Conclusion d'un deuxième ordre. Il est intéressant de noter que dans l'état de nos connaissances, les découvertes des restes de poissons en amphore commercialisés à longue distance se limitent en général à certaines familles de poissons, telles que les thons et les pélamides, les migrateurs pélagiques, que sont les maquereaux, les petits migrateurs saisonniers, que sont les sardines. Ces poissons sont par ailleurs bien connus pour leur qualité de conservation. Voilà. Donc, on a vu quand même, même s'il y a peu d'exemples, des familles d'espèces, ce que je viens de vous dire, donc des... l'intérêt pour nous, archéozoologues, c'est effectivement de comprendre les espèces commercialisées, mais on aimerait savoir... quelle est la part des espèces commercialisées dans la production halieutique globale? C'est-à-dire que la pêche ne se limitait pas aux scombridés, aux tonidés, les espèces qu'on a vues, ou à la sardine. Or, on a peu de connaissances. Ces connaissances, on les a, notamment, là je vais vous donner un exemple de type de, sur l'Atte, où on a étudié la consommation d'une agglomération globale sur plusieurs siècles. Là, on a un schéma global de la production halieutique et de la consommation, surtout, des habitants. Si on part du 3e siècle avant, vous voyez sur ce camembert l'ensemble des espèces qui sont, l'ensemble des différentes espèces qui sont consommées. La grise qui est peu visible étant le Sparus aurata, la dorade. On a le loup, on a Mulus barbatus le rouget, de l'anguille, des mugilidés, des sparidés. Bon, tout ça pour vous dire que ce sont des espèces qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a retrouvées dans les amphores dont je vous ai parlé précédemment. Si on avance dans le temps pour l'Atte, on a toujours une variété d'espèces consommées extrêmement importante, voilà, qui aurait même plutôt tendance à se diversifier. On passe au 1er siècle après, ça se diversifie encore plus. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails hein, des analyses qui ont été faites, parce que ces camemberts, je vous les mets uniquement pour vous montrer toute la diversité des espèces. Il se trouve qu'à l'Atte, on a retrouvé une chose intéressante, qui est un reste de sauce produit localement et qui est fait à base de sardines. Donc, il s'agit aucune... Il s'agit d'une conserve, et cette conserve était probablement destinée à une consommation locale. C'est l'hypothèse vers laquelle on se dirige, enfin qu'on a émise. Voilà. Donc cette conserve est faite à partir de sardines. Donc dans le cas de conservation, on a 97% de sardines et puis quelques petites espèces parasites. Bon, c'est pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette sardine produite, en fait, elle, dans la consommation, une fois qu'elle a été consommée, donc ça, c'est un reste de production, on le met de côté, quand on étudie la consommation, les restes de consommation, donc après avoir consommé toutes ces espèces, qu'est-ce qui reste dans les déchets? La sardine, c'est la même couleur, c'est cette partie-là. Donc, c'est... entre 5% et 3% des restes. Donc, les conserves de poissons représentaient, si on raisonne un petit peu, entre 5 et 3% des restes, en fait, de la production halieutique globale du site.
Voilà. Donc ça, c'est, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est intéressant de replacer comment dire, la part de production exportée ou produite pour des conserves par rapport à ce qu'était la pêche réellement dans tous les contextes. Voilà. Au lieu de raisonner uniquement sur les conserves. Bon, je sais pas si je suis très claire, c'est pas grave. Ça, c'était pour revenir sur mon garum aux olives d'hier, mais c'est pour dire qu'à Latte, il y avait une tradition, visiblement de longue date, de production de salaison. Bon, là aussi, ça se discute. Je voulais juste dire, par rapport à hier et pour Nicolas Garnier, que Michel Batz n'exclut pas, en fait, l'idée qu'il y ait un mélange de garonne et d'huile. Bon, c'est un détail, on passe. Alors, pour ce qui est des conserves et des commerces à grande distance, bon... Effectivement, il y a ce problème il y a aussi ce problème de ces fabriques de salaison qui sont aussi étudiées, bien étudiées, bon, et dont on sait qu'elles ont servi au thon. Bon, nous, en tant qu'archéozoologues, voilà, on trouve pas beaucoup de restes de thon, et c'est évidemment un problème. Alors, pourquoi on trouve pas beaucoup de restes de thon? L'hypothèse est que comme c'est un gros poisson, qu'on va le découper, on va s'intéresser à la chair, on ne s'intéresse pas aux os, il va être débité et on va garder la chair pour faire les conserves, les salaisons, etc. Et en revanche, là, ce qu'on voit sur cette diapositive qui est intéressante, c'est que les os sont brûlés. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on retrouve les os sur les sites même de production. Puisque, bon, c'est une hypothèse, ils auraient pu être... On s'en débarrasse de toute façon, ils ne vont pas garder les os, ils s'en débarrassent et ils les brûlent. Voilà. Vous voyez sur cette diapositive, donc, l'endroit... Bon, bref, qui faisait brûler les os. Deuxième argument pour dire que les os sont évacués du site de production, c'est cette découverte à Jules Verne où on a des squelettes de thon en connexion anatomique qui ont été découverts dans les restes du porc, donc jetés. Hein. Là, il y a des traces de découpe, donc ils ont découpé, ils ont récupéré la chair et puis ils ont jeté tout ce qui était inutile, hein, toutes les parties inutiles du thon. Bon, donc, s'en débarrasser, on trop tôt. Donc, voilà, et c'est... Donc l'archéozoologie, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne peut pas venir au secours, enfin, elle ne peut pas donner d'arguments, on ne retrouvera, mon point de vue, c'est qu'on ne retrouvera pratiquement jamais de reste de thon dans les fabriques de salaison. Voilà. Puisque les, voilà. Pour terminer, je voulais, bon, j'ai mis ce tableau de Dario, qu'il a publié en 2014, pour discuter l'équivalence entre les inscriptions et les espèces ichtyophoniques qui ont été retrouvées. Voilà. Alors, bon, je sais que c'est sujet à caution, à débat. En tant qu'archéozoologue, j'ai une petite critique à faire à ce genre de tableau, si je puis me permettre. C'est que... Comme on a vu tout au long de mon exposé, qui n'était pas tellement intéressant finalement, puisqu'il me disait qu'il y avait des restes de poissons, bah, c'est un peu le problème. Ça serait bien que ces restes de poissons soient étudiés un petit peu plus en profondeur, pas simplement mentionnés, mais vraiment étudiés. Et cette liste, c'est un pas en avant, c'est bien, on voit en gros liste tout ça. Mais nous, maintenant, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est le pourcentage de restes. Enfin, le pourcentage entre les espèces. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a toutes les parties du poisson? Et quelles sont les proportions entre les diverses espèces? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mélanges. On se rend compte de plus en plus, je ne vous ai pas donné les exemples les plus intéressants, mais quand on trouve certains contextes en agglomération, il y a des mélanges d'espèces. Bon, et en fait, la proportion d'espèces est importante pour définir le produit. Voilà. Donc, donner une liste d'espèces comme ça, même si on voit en gros lisse partout, la question qu'on va se poser, c'est est-il dominant partout? Voilà, par exemple. Voilà, ben je m'arrête là. Thank you, Myriam, for this very accurate and complete synthesis and difficult reappraisal of all the data. I think that Dario will add some comments. Okay, thank you very much. First of all, I want to thank Miriam
for sending me her paper before summer. She was one of the first ones. So it is very easy for everybody to read a paper and to make critics and comments and suggestions on very specific things. So I will not do this, you know, because I'm and all discussants are in advantage to the speakers. So what I will do is, after reading her paper, reflecting on the state of the arts of marine contents inside amphorae. So I have prepared 10 questions for you. The first one is, after her presentation, which is more or less what we have, I need that we really need to have a good corpus on this before discussing. Parker is not enough, but it's what we have on the table, and this is what we can use. As I work on this topic, of course, I can add some new information on her list, on Parker's list, and on her audience. And I'm sure that you all have notes on things that could be added. And after our conference, we will have more. But it will not be, I think, the right corpus. This should be one of the aims of this project, of this big joint project. Having a list, an empiric list, an inventory of wrecks, of terrestrial finds, inside them how many amphorae, each amphorae well classified, which is a problem, and putting all the archaeological samples, if they are, and the archaeological studies, if they have been done, together in a corpus. I don't know in other countries, but in Spanish archaeology, we don't like the word corpus or corpora, because it drives us to the late 19th century, when we had to do all these lists, inventories, catalogs, and not so much interpretation. But I really think that if we don't have this before, we are in trouble. So this is the first thing I suggest. My second question is, do we really have good quality data on Garun amphorae to discuss on historical topics, which is what we should do as historians? I think we don't. I think we don't have enough data, enough good quality data. And Myriad has summarized very well some of the examples, but they are really few, and just from very specific types, and mainly coming from the states of Gibraltar region. So when you read papers, some colleagues write about the main species fished and salted in Republican times are these. The main species fished in these regions are, including overfishing in early imperial times. This is why we have clupates and sardines in late antiquity. I really think that we don't have enough data to build such hypotheses. So another question is, when we of the already published or available data that we have, have they been well studied? Do we have accurate information on them? And we arrive to our divorce, which is not a divorce just between archaeologists and archaeologists. It's a traditional divorce between people doing residue analysis, DNA, et cetera, et cetera. We normally don't talk about these questions, but I think this is behind our problems. For instance, last week, as you know very well, in Lisbon,
It was the International Council of Archaeologists Fish Working Group meeting. I went there, and there were more than 100 people, and I found three archaeologists, three. And I think that you do the same. So archaeologists, in general terms, don't really work together on the field with us. You receive samples, you do a very good work, high quality, but sometimes there is not a lot of discussion between the topics. So maybe, and I really think that now we are beginning to change these tendencies. And you have mentioned, for instance, the Arles-Rontrois finds. This is a good example for me of a real joint work and discussion. And maybe in the future, we should do these things also. Concerning, I should say that we have big identification problems with inscriptions. Just two examples. Lacatum and lymphatum. What do we have behind these words? There is a lot of information from Etienne Maillet proposals till the new ones of David Dejawi and colleagues. But you have here one example of amphora. I mentioned these things, LUM. You can see here the abbreviations. And you can see what they found inside the amphora. You have water, well, that's the interpretation. A fixed sauce mixed with water, wine, and other ingredients. They also found in Cala Rosana, in an amphora with one titulus like this, grape bunches, seed, and branches. So grapes mixed up with other products inside. I don't know. I really don't know. But this is for me, this is a good example for making us reflect on the problems. Here we have another. Cordila, the so well-known Cordila, which had been interpreted, and we all accept this, as small tuna fish. You know that it's forbidden fishing small tuna fishes. Nowadays. Was this one of the ways of fishing whose results have derived in overexploitation? Could be if cordila are really small tuna, but we really don't know. This is a hypothesis. As far as I know, nobody has found one Beltrantuae like this or similar with a titulus with tuna scales inside, or with DNA analysis having tuna residues attached to the walls. And we have also this discussion that we maybe could leave for lunch, if not it will be a never-ending session, on tinctus, tincta, instead of tingitanus, tingitana. It's very interesting. In some of our fish factories in the Straits, we know that they were producing red dyes. And we also know from ethnographic sources that clients preferred red sauces. And in Greece in the 19th century, they used to import ground sediment, red sediment from some islands into others to mix this with local sources. I'm not saying that Emic's proposal is right, you know. I think that it's very interesting for discussion. Another big problem that I think that we still have is that when discussing with archaeologists together,
even if you have bones inside your amphora, which is this case, in a late unique amphora from Bioclaudia, full of sediment, as you can see here, you have the fish scales, it is not so easy saying or demonstrating that you have salted fish and not fish sources. When you have the specific cases. You have Sally Granger with us, who has produced recently some papers on the topics. Also, Miriam has worked a lot, and many other people. And my personal feeling is that this is not easy. When you have small fishes in anatomic connection, they could be salted fish, but they could also be the first stage of garum of a sources production. So it is, what I want to say is that the interpretation of the products are not so clear. And I want to put on the table another, for me, important question, which is that, as far as I know, most of the already published archaeological studies on fish products in amphora have forgotten other remains, as the sediment. Recently, we and other people have been able to analyze the sediment where you have the bones by pollen analysis and also by archaeobotanical techniques in general terms. This is one example. Maybe the drawing is very clear, but you have here a very, very late Beltran 2B or a very, very early K16. This is the real end of the second century or the first years of the third century AD. It's a Gaditan amphora found at Bioclaudia. Sorry, at Emerita Augusta, Merida, the capital of Lusitania, as you all know. It was found there in a rescue dig full of sediment. The bones have been analyzed, and you have there the identification. Sardines, most of them, the contents are sardines and anchovies, very small, really, really small. This could be a sort of pisala, of modern pisala. But when analyzing the sediment, we have vegetables with the fish. So in this product, they added intentionally Chenopodiaceae vegetables in the sauce. As our colleagues from Montpellier have found onions in these small pots. Okay? So we have to pay attention and try to study everything. And this is another example of the complexity. These imitations of a very late Greco-Italics or very early Dressel 1A from Bioclaudia, where you have mainly fishes, fish species, including tuna, but also terrestrial meat inside and not intrusive things. We have two complete amphoras. One has ribs of a sheep, and the other has a small part of the skull of a very small pork. We didn't know how to name this sauce, and we talked about a mixed garum when we published this. So the products are very complex. Not only garum, muria, alec, aliquamen. Many complex products. You all know that these are all garum amphorae, completely different forms in shape. And when we put the titulary picked information, we know that they were canning different marine products in the same amphora type. So there is not a type for muria, one type for liquamen, as far as we know.
they were using Garon amphora for putting inside different marine products. I should say that all these problems are not really important for us in this conference, because they are Garon amphorae, and we want to know if they are wine amphorae, oil amphorae, Garon amphorae, or other products. So these are internal problems for people studying fish and fish salting production. But I want to show you that, for me, this is a very complex, a really complex thing. And the last slide is to say that if you find one complete amphora with sediment inside, please don't dig it. And remember that it should be a nearly unique thing. Because I have, looking for this sort of findings, I have found sometimes people not specialized in amphorae and in Roman economy, and they found one amphora full of sediment, and they say, no, this is not important. Another Garon amphorae of the Dresser 711 family. Okay, we will dig it and we will find the bone. No, please, don't do that. A specific methodology for digging this sort of amphorae has been discussed in the Exposende conference in northern Portugal, because before doing nothing, we should make a tack, you know, what we do when we have problems in our brain. The same to see if they are in anatomic position or not, and sometimes cutting longitudinally by its axis the vessel, in order to be able to dig it properly inside. The same that we do when we have burials inside our amphorae in late antiquity. And that was all. Thank you. So thank you very much, Dario. We have to decide how much time for the discussion. We are 1:30, so what do you decide according to the next presentation? What would you say? 15 minutes? Franca Cibecchini, perhaps, and Rui first, maybe. Sorry for that. Well, I like to know that Miren present us the results. I have to say that we have the same results in Parker. You give us another result, because they are mostly the same results. And I would like to add a question, one more question about shipwrecks. Since you spoke about shipwrecks, can you say for sure that all the fishes, the remains, are from ancient period, or they could be modern? And I would like to say other thing, adding to Dario's presentation, that in north Spain, in Galicia, we have a place, Buel, the production center of amphorae, fish amphorae, and also we found there a very big honeypot. And I ask if it is possible that it could be Meli Garon, as Plinius says, that together they put some honey, not very good honey, to say, but inside these fish products to something different. So it's very interesting to see that in the same place we have honey pot and amphorae. And this is it. Donc for the first question on shipwrecks, yes, how to say? Je peux le dire en français? Donc pour les, non, ça exclut pas le micro. Pour les épaves, oui. Alors les exemples les plus anciens que j'ai montrés,
Effectivement, il y a des doutes sur le fait que les restes de poissons proviennent ou pas d'une amphore, sont des intrusions, sont des thanatocénoses sur place, etc. Ça, c'est évident. C'est une question qui est obligatoirement à poser. Donc, pour ça, nous, on n'est pas magiciens. Donc, il faut, on l'a déjà dit suffisamment ici, dialoguer avec les gens qui nous donnent les échantillons. C'est sûr que quand on voit arriver sur notre table des échantillons, qu'on ne sait pas comment ils étaient positionnés dans l'amphore, qu'on ne sait pas comment était l'amphore, qu'on nous dit juste « ça, c'est un contenu d'amphore », on a un problème. Bon, mais ça, c'est un problème de dialogue. Deuxième cas, plus facile, on nous apporte le sac, on nous dit « ça, c'est un contenu d'amphore », et on voit, comme sur les macros que je vous ai présentés, des traces de découpe qui sont évidentes. Là, ça n'a pas été découpé dans la mer. Donc, c'est l'homme qui les a découpés. Donc là, on est à peu près sûr qu'on n'a pas des intrusions. Voilà. Alors, autre argument, pour ne pas dire que c'est pas des, que c'est de l'ancien, bah, c'est évidemment comment l'amphore est conservé, si c'est dedans, si c'est pas dedans. Il y a aussi les connexions anatomiques qui peuvent nous renseigner, mais bon, c'est pas non plus des arguments tout à fait fiables. Donc, il y a les découpes qui sont évidentes. Hein, quand c'est découpé... c'est avec des traces extrêmement claires, c'est pas possible que ce soit une intrusion. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je sais plus. Ah, alors, attends, j'ai pas fini sur la première question, mais je me souviens plus ce que je voulais dire sur les intrusions. Bon, bah, c'est pas grave. Le miel avec des restes de poisson, pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas, enfin, quand on lit les textes, on a l'impression que les recettes, il y en a des millions. Enfin, des millions, j'exagère, mais il y en a vraiment beaucoup. Quand Dario dit on a trouvé des plantes avec du garum, bah oui, oui, moi, ça ne me pose pas de problème. Si ça te pose un problème, Dario? I wanted to say that if you taste modern fish sauces made in Vietnam, like Nam Pla and the others, some of them had sugar or sweeteners inside. I can't explain you why chemically, but they have sugar. Maybe as we have our colleagues, our food technicians from our university, which will be the ones presenting the Frol de Carum project, maybe we can discuss. But it's quite frequent adding sugar to these products. So it's, for me, it's a very nice hypothesis to demonstrate. I think that Dario, you are really, really right yesterday when you say that we have to update Parker, because I think it's impossible to work with this book, because not only there is all the information, but as you said yesterday, a lot of information are not true. For example, there's no fish in an amphora in Sant'Andrea B wreck that I know quite well, because it was one of the wreck part of my thesis, PhD thesis. I have not read Parker for this wreck, because I have studied directly the material in the museum and in the deposit. But I'm quite sure, it's a long time ago, but I'm quite sure that there was no fish. The only fish that I remember remained of fish bones was on a dish in, I think it was in Sant'Andrea B, and they say that they have found this rest of a meal of the sailors in the during the excavation. The other things that you want to say that I'm not against the idea of polyvalent amphoras. Why not? But I think that we have to have the documentation, and we have to prove it, another utilization. What I want to say that I have nothing against the idea that Dressel 1 amphora could bear and transport fish
sauce or something based on fish products, but you have to demonstrate it. And for the moment, at my, I don't know, no one, Dressel one, in first use with fish remains, nor a cargo. And all I say, I can say, I can show also the results of the analysis on the Grand Gonglet two wrecks. I think that this is not a definitive answer. There is nothing. Okay. I don't know, probably Nicolas Garnier could answer better than me, but remains of wine are really difficult to find. Remains of fish, I think, is more easy. I don't know, but this is not an answer for me. And on one samples. Why not? But for the moment, I think that we have to be very, very careful with this. And the last things, I think for the Pot du Lassium, David Jowie thinks that the most probable hypothesis for him is that there was not a marchandise, but something used on board by sailors. So it's quite a different things with amphoras. D'accord. Je peux répondre. D'accord. Tu critiques donc le fait d'utiliser par cœur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je prends ce qu'il y a. Hein. Je veux dire, on me demande de faire un état de. Bon. Alors, je justifie. Je l'ai dit au départ. C'est un inventaire que j'ai fait en 97. Donc il y a très 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 longtemps. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème que je vois, peut-être parce que je vieillis, mais on n'utilise pas par cœur, d'accord. Mais alors du coup, on fait table rase de tout ce qui a été fait avant. Parce que moi, je suis d'accord. Moi, pas, quand on me dit fishbone, il y a beaucoup. Si je voulais être d'une parfaite rigueur, je ne travaillerais que sur les fouilles récentes, extrêmement bien fouillées. Bon, donc il ne reste plus grand-chose. Donc on fait table rase de tout ce qui s'est passé avant. L'idée de retravailler sur cet inventaire, c'était juste de se réinterroger un peu différemment en ayant vu justement des tas de situations qui ne sont pas du tout excellentes, il faut le dire, et de se demander, bon, maintenant, est-ce qu'on peut, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, re-regarder ces données et voir si on peut en extraire quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler uniquement sur les contenus de voilà. Donc voilà, c'est par cœur. Donc pour par cœur, je suis d'accord, il y a pas grand chose à en tirer, mais en même temps, où sont passés, enfin bon, voilà, non, j'ai rien à dire. A good beginning. Oui, alors. Oui. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est un travail monstre. Parce que vous serez bien, si tout le monde voulait bien publier les restes de poissons dans quelque chose, dans une revue qui serait unique, ça serait vraiment facile d'accès. S'il faut se taper des bibliographies immenses pour trouver un résultat, c'est pas évident. Bon, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bon, voilà, c'est pour revenir à la deuxième chose. L'inventaire que Dario propose, oui, bien sûr, mais c'est un travail collectif à faire. Que les personnes qui ont des informations les mentionnent et qu'on fasse un inventaire collectif. C'est évident qu'une seule personne, qui de plus est, n'est qu'archéozoologue, ne peut pas faire un inventaire à elle seule. Pour la polyvalence, je peux dire juste deux mots, la polyvalence des amphores, tu as parlé de ça? La polyvalence de certaines amphores pour le problème des... Moi, je n'y crois pas. Enfin, c'est compliqué. Moi, je pense que les amphores, elles avaient des fonctions très, très précises. Hein, et que quand on trouve des restes osseux de mammifères avec des restes de poissons, alors déjà, pour moi, on est en contexte urbain. Si j'ai bien compris, Bello, c'est pas dans une épave. Donc, alors déjà, j'ai bien distingué les épaves des contextes urbains. Pour moi, les contextes urbains, c'est encore autre chose. Parce que c'est des réemplois. Donc, c'est des réemplois, pourquoi ?
Non, c'est pas des réemplois. No, I don't think so. I think that again we have always the same problem. We are right to the same cul-de-sac. When we found something that does not match our mental things, on pourra rediscuter. Peut-être que je changerai d'avis, mais je suis pas tout à fait sûre. Je trouve que justement, dans cette distinction de ce qu'on trouve sur les épaves et de ce qu'on trouve en milieu terrestre, ça résout le problème de la complexité. On ne peut pas répondre à un problème en disant « il se complexifie, il se complexifie, il se complexifie ». Non, il faut trouver des lignes pour comprendre. Et en fait, quand on regarde les amphores, j'ai peut-être très mal expliqué, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on retrouve uniquement certaines espèces. Et ces certaines espèces-là, c'est logique qu'elles soient commercialisées, parce qu'elles se prêtent bien à la conservation, parce qu'on en a des mentions dans les textes, parce qu'il y a des découpes, parce que ça répond, parce qu'il y a une cohérence que je n'ai pas su expliquer peut-être, mais pour moi, il y a une cohérence. Quand on arrive en milieu terrestre, et j'ai étudié des contenus d'amphores terrestres que je n'ai pas présentés justement parce que ça rendait les choses confuses, il y a de multiples cas. Pourquoi ? Parce que si c'est des réemplois, ça simplifie tout. Ça va faire plaisir à Michel. Ça simplifie tout parce que l'amphore arrive avec un contenu qui est consommé, on réemploie l'amphore, et là, sur place, on a une pêche ou un problème de consommation qui est très spécifique. Et à ce moment-là, supposons qu'on ait trop de sardines, trop d'anchois, trop de dorades, etc., ou des tout petits poissons dont on ne sait pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas consommables en tant que tels, on va en faire une espèce de conserve. Et là, on va réemployer l'amphore. Voilà. At the end, I think that it's very important that we know very well the archaeological context of what we are studying and that we do a good selection of the samples we are studying. In this case, in the case of Dressel 1 with fish from the Iberian Peninsula, which was one of the points that Civecchini was talking about. From my point of view, this is very clear. Maybe it's not the place for explaining all the details, you know, but this second century BC context is very good because we have complete imported amphorae, also Dressel 1 from Campania with wine, also Dressel 1 from Etruria with wine, and just these two regional imitations of Dressel 1 with mixed sauces, you know. And as Francois Mayet pointed out many years ago, we have a very interesting site in the Bay of Algeciras, which is a so-called El Rinconcillo kiln site, which is a company developed by people coming from Italy, linked to the Roman colony of Carteia. And by the first time, without local tradition, they began to produce Dressel 21-22, which now we know very well that are fish amphorae, and also Dressel 1C. And it's the only place where we have this thing. Again, we should try to analyze any single aspect and in every single region, because maybe in other parts of the Mediterranean, they are imitating for putting in the market bad quality wines, you know. Please Franca, two other speakers, please, now. Okay, so Carlos Fabiao and Jordi Miró, and perhaps if we have time, Simonette. But I think that Carlos was the first one. I have the... Sorry. I had three questions. The first one from the end to Rui. And you speak about Rony Potts. And what is your argument? Is it a chemical argument one, or? Yes, it's a question. Very quickly, please. Okay, we have some results, double directional results,
because it's very important to speak about Raoni. By chemistry, yes, I know, but there is a problem in the not in the identification of the marker, but the interpretation. Carlos Fabiao is waiting for a long time and he can speak without microphone, I think. And the second question was for Dario. You talked about palynology. What was the methodology to take the samples to make the study of palynology? Do you take only one sample or do you make a graduation in the depth or the pot? Good question. Normally what we do is to analyze the sediment inside the amphora, but also the sediment outside the amphora in the same layer, okay? Because there is a lot of contamination, of pollution, during the preparation of the fish product. You know, even the guy preparing can have his hands or his instruments dirty, and he can prepare the garum on the open air, and all the regional pollen is attaching to things. So as far as I have been said from my colleagues doing pollen analysis, if you have one sample from inside the amphora and one side from outside the amphora, but the same layer, you can analyze both and see which taxa, which species are just inside. And these are the good ones. Yes, and we try this methodology to do the palynological analysis of the content of perfume vases and pots found in tombs. And for the palynology, to be sure of the results, we take three layers of sediments inside the pot because there is a graduation, and only the last layer in the bottom of the vase is representative of the content. So it will be better to take more samples for this. No, I agree with you. The more accurate we can be, the more precise will be our interpretation, of course. Please, Carlos Fabiao. In a specific chronology. So that doesn't mean that we can discuss all the issue of the content of the Dressel 1 amphora. The problem is those amphorae in that place, in that chronology. So I think that it's useless to discuss, based on those examples, what will be the content of the Dressel 1 amphora. That's all. If Jordi agree, we can take the word to Simonetta, who is very near from the micro, and then you. It is too late. I'll speak about Tyrrhenian Dressel 1 containing fish in my paper. Thank you very much. So Jordi now. Je voulais vous demander une précision sur une épave dont vous avez parlé, Chrétienne I, qui était publiée par Parker, mais moi, surtout je vous demande, parce que vous avez parlé qu'il y avait des pasqualins, et aussi d'autres amphores, mais je ne sais pas exactement lesquels, et aussi avec de la résine provenance tarraconaise. Alors, je voulais savoir si vous avez d'autres précisions sur ce sujet,
et aussi la fourchette chronologique que vous avez donnée, moins 50 plus 75, qui me paraît un peu bizarre. C'est simplement ça parce que je n'avais pas trop d'informations sur cette épave. Comme nous n'avons pas trop de temps, si il n'y a plus, si vous n'avez peut-être plus de précisions, je reste ici. D'accord. Alors la seule chose que Merci. Je peux vous dire, c'est que c'est une étude qui est reprise par un étudiant de Jean-Christophe Sorisso. Voilà, donc c'est des informations qui ne sont absolument pas définitives. Donc je vous renvoie à cet étudiant ou à M. Sorisso. Donc je peux, voilà, c'est un travail qui est en cours. Moi, j'ai juste présenté les restes de poissons parce qu'ils avaient ces traces de découpe qui me paraissaient particulièrement intéressantes dans le cadre de l'archéozoologie. Maintenant, Franca, peut-être en sait plus, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui travaille dessus, hein, actuellement, si ça peut vous... Je ne sais strictement rien, je ne suis absolument pas spécialiste des épaves. Enfin, je suis désolée, je ne peux que vous parler des restes de poissons. Thank you very much. I think it's time to close the session. So, with a lot of very interesting points to be developed in the future, including the need of a corpus, linking the study of fish bone collection and the connection with the Tituli Picti. Now I think it's time to move to the garum and the wine, Roman garum and Rouen wine session, with I think a presentation and then a taste.